Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT. Aujourd'hui, on est à bord de la nouvelle Toyota Yaris en version hybride 216 chevaux. Je suis sur l'autoroute et ça va être la vidéo où je vais prendre le temps de t'expliquer tous les petits détails que j'ai pu remarquer au volant, que ce soit sur autoroute, mais bien sûr évidemment aussi en ville. Et là, pour le coup, je suis en train de ramener la voiture près d'Annecy, donc on va en profiter et je vais commencer un peu à te parler de tout ce que j'ai pu constater dans cette voiture qui, honnêtement, est assez bluffante. À la base, je devrais te parler que de l'intérieur, mais est-ce qu'on peut quand même prendre 3 secondes pour noter à quel point Toyota a réussi le style de cette nouvelle Yaris? C'est bluffant parce qu'on est sur un véhicule hybride et quand tu revois la gueule extérieure de la voiture, tu te demandes presque si ce n'est pas une sportive. Et il va falloir que je te dise déjà qu'à l'intérieur, c'est plutôt bien fait. C'est simple, mais c'est également très efficace. En fait, pour le prix, je trouve qu'on est dans un placement qui est assez raisonnable parce qu'en plus, tu profites d'une belle voiture. Et à l'intérieur, c'est sûr qu'on n'a pas les meilleurs matériaux, on n'a pas l'intérieur le plus fun. C'est pas plein de joie, de couleurs et de gaieté dans les matières, mais ça a le mérite d'être extrêmement efficace. Alors déjà, là, tu vois, je suis bien assis. Je suis dans des sièges qui sont en simili-cuir et en tissu. Et la sensation est plutôt bonne, le maintien est très bon et ils sont très confortables. Là, hier, j'ai fait, je sais pas, 200 bornes, dont une grosse partie sur autoroute et ça passe tout seul. C'est vraiment le top. Le volant également est très agréable à prendre en main. Il est vraiment très bien destiné. D'ailleurs, moi qui ai essayé la Toyota Supra, si juste j'avais déjà pu avoir ça dans la Supra, j'aurais été content. Et puis, on parle un petit peu de la construction de cet intérieur. Comme je te le disais, c'est super cool parce que, en fait, tout est à sa place. Et ça, ça fait que tu es plutôt à l'aise. C'est-à-dire que derrière le volant, sur cette version, on a un petit écran qui permet de commander beaucoup de choses. On serait pas loin d'un iCockpit en quelque sorte. On a ce grand écran, je crois que c'est exactement le même que le Toyota RAV4. J'espère que vous allez me voir avec vu qu'on est dans le noir. Bref, j'espère que tu me vois encore. On a ce grand écran avec une interface dont je te reparlerai un peu plus tard, mais qui marche plutôt bien. C'est un poil lent. Les interfaces sont pas méga belle, mais ça a le mérite de fonctionner. Et juste en dessous, on a ici un emplacement en fait qui va... Alors attends, en vrai, on va juste attendre que je sorte du pont parce que sinon je pense que vous allez galérer. Du coup, je te parlais un petit peu de la construction de cet intérieur et c'est vraiment bien foutu. Donc, tu as ce grand écran. Je crois que c'est exactement le même que dans le Toyota RAV4. On parlera un petit peu plus tard du multimédia, des interfaces, etc. C'est pas si mal que ça. Juste en dessous de l'écran, un emplacement qui est vraiment top. C'est une zone de rangement en quelque sorte qui va te permettre de poser plein de trucs. Et du coup, là, en partant, je me suis rendu compte que tu peux même mettre ton téléphone parfaitement positionné si tu as besoin du GPS. Parce qu'il y a toujours un moment où tu as besoin de ton téléphone, c'est plus simple. Donc là, j'ai mis Waze. Ensuite, en dessous, tu vas avoir la gestion de tout ce qui va être ventilation, clim, etc. Encore en dessous, tu as une prise USB, la commande des sièges chauffants. Et derrière, encore plus bas, tu vas avoir un espace qui comprend sur cette version un chargeur à induction avec notamment la possibilité de l'éteindre si tu ne souhaites pas l'utiliser. Par exemple, si ton téléphone est branché en USB, mais tu veux quand même le poser là. Un allume-cigare et puis derrière, la commande de boîte. Et aussi quelques touches de raccourci qui vont te permettre d'accéder au mode de conduite. Tu peux passer en full électrique si tu le souhaites. C'est pas conseillé, c'est vraiment, admettons, tu veux sortir du parking et t'assurer que ton moteur thermique ne se mettra pas en route, tu mets le mode électrique et comme ça ta voiture sera extrêmement silencieuse. Côté passager, on a encore une fois un petit rangement assez cool qui va permettre de poser de la monnaie, des clés. Tu pourras pas y mettre une bouteille d'eau, la boîte à gants est un peu petite et il faut qu'on parle aussi d'un élément qui est un peu dommage, c'est que on a dans les contreportes un tissu qui est assez sympa, vraiment. Ça donne un peu... Vraiment, c'est tout simple, mais ça vient de mettre un tout petit peu de lumière dans l'habitacle. C'est presque dommage qu'il ne l'ait pas utilisé pour faire un rappel ici, là, sur le bloc plastique côté passager, parce qu'effectivement, on est sur des plastiques très, très bruts. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de rembourrage dans les contreportes. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je ne sais pas si les personnes qui ont conceptualisé cette voiture n'ont pas le même angle de coude que moi lorsqu'ils conduisent, mais moi, mon coude, l'os de mon coude vient vraiment se poser sur cette zone de repos et c'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable. Alors attendez, il faut que je descende ma vitesse. Ouais, c'est bon, il l'a compris.
Et du coup, j'ai mal. En fait, c'est vraiment une sensation de douleur. Ce n'est pas agréable. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas pensé, que quelqu'un n'ait pas constaté qu'un rembourrage n'aurait véritablement pas fait de mal pour les moments où, par exemple, tu conduis sur autoroute et du coup, vraiment, tu es positionné en mode un peu plus posé dans la voiture, moins actif. Donc, tu poses véritablement tes membres dans la voiture. Ça, il n'y a pas. En tout cas, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. On se sent à l'aise dans la voiture. J'apprécie en fait le fait qu'elle n'en fasse pas trop et qu'elle aille à la simplicité et plutôt à l'efficacité. C'est super agréable parce que du coup, il y a tout ce qu'il faut au bon endroit et tu ne te dis pas « Ah, c'est dommage, c'est du plastique brut ». Non, tu as tout ce qu'il te faut. Ensuite, parlons un petit peu de ce que j'ai pu constater en termes de conduite. C'est une voiture qui est quand même assez bluffante. Hein. Moi, je vous le dis, j'ai été assez bluffé parce que j'ai pu découvrir, parce que du coup, hier, j'ai pris l'autoroute dans l'autre sens et j'avais peur au départ qu'elle soit un petit peu bruyante. Et en réalité, non. En vrai, tout ce qui va te rester dans l'habitacle quand tu conduis sur autoroute, c'est des bruits de moteur quand tu la sollicites. Je ne sais pas si vous entendez, mais dès que vous allez solliciter le moteur, ça fait un peu de bruit. Moi, j'ai pas eu l'occasion de conduire l'ancienne Yaris, mais on m'a dit que la voiture était beaucoup moins bruyante que la précédente. Et je parle de quelqu'un qui a vraiment essayé une Yaris, donc qui sait de quoi il parle. Et en plus, ce qui est ouf, c'est les transitions entre le moteur électrique et le moteur thermique. Alors, sur autoroute, forcément, c'est pas son terrain de prédilection pour mettre en lumière à quel point le moteur hybride est incroyable de talent. Mais ça a le mérite de bien marcher. Et même sur autoroute, les consos sont bas. C'est-à-dire qu'il faut savoir que là, on est dans la direction d'Annecy. Ce n'est pas la meilleure direction pour profiter des faibles consommations parce que c'est assez vallonné et aussi beaucoup montant dans ce sens. Du coup, là, je suis à 5,5 litres de conso annoncé. Je suis sur le régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne plutôt pas mal. Et hier, avec la ville compris, j'étais à 4,6 litres après 130 km entre Annecy et près de chez moi. Et 4,6 litres, c'est super bas. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que sur autoroute, la voiture était extrêmement silencieuse. À part les bruits d'air et les petits moments où j'avais besoin de relancer et du coup, le moteur thermique se met en marche, c'était super silencieux. Et du coup, super efficace parce que je m'attendais à ce que la conso soit un peu haute. Par contre, dès que ça commence à monter, par exemple, là, je suis à 121, donc je vais essayer de rejoindre 130. Écoutez le son moteur. Ah. Alors, attendez. Un appel, je reprendrai plus tard. Parlons un petit peu assistance de conduite, parce que là, du coup, j'ai le régulateur adaptatif en place. Alors, ça marche bien. Il est ultra efficace. J'arrive pas à trouver comment je peux modifier la distance à partir de laquelle il s'active. C'est-à-dire que là, je trouve qu'il s'active un peu trop tôt. J'ai trois flèches devant moi qui me disent que donc ça doit représenter peut-être 100 mètres. Dès que je suis à 100 mètres d'une voiture, il commence à prendre en compte la vitesse à laquelle elle roule. Et c'est pas ultra naturel parce que c'est vrai que même si je vais plus vite qu'une voiture, je vais pas à 100 mètres me dire « Tiens, je vais me décaler à droite pour la passer. » Donc là, c'est un peu trop tôt et j'arrive pas à trouver. Franchement, le volant est top parce qu'il y a plein de commandes accessibles à partir du volant. Mais c'est un peu compliqué de naviguer dans les menus. Je vous montrerai à l'arrêt tous les menus qu'on peut gérer à partir du volant. C'est top parce que vraiment, on n'est pas loin de pouvoir tout gérer dans la voiture. Donc super efficace. Le problème, c'est que au départ, c'est un peu complexe. Il y a vraiment beaucoup de boutons sur le volant, je rigole pas, et c'est un peu complexe de s'y retrouver. Si on parle également du régulateur adaptatif, un des points qui est cool, c'est que il lit plutôt bien les panneaux. Donc techniquement, s'il voit un panneau 90, il va se dire qu'il faut rouler à 90 et faire tomber la vitesse automatiquement. Il arrive un peu fréquemment que dans certaines situations, il lise un panneau qui ne soit pas spécifique à ma voix. Et du coup, tout à l'heure, j'étais à 130 et d'un coup, il m'a dit « Hey, faut rouler à 70 ». Il n'a pas tombé la vitesse. Ça, c'est le truc qui était cool. Alors, pourquoi il n'a pas tombé la vitesse, je ne sais pas. Mais il a quand même pris en compte que c'était un panneau 70. Il me l'a aussi fait pour un panneau à 90. Mais dans l'ensemble, il marche plutôt bien. En plus, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que non seulement j'ai le régulateur adaptatif, mais j'ai également le maintien dans la voie, la direction assistée. Et du coup, j'en suis presque à ne plus avoir à conduire, à juste maintenir la voiture. Et c'est plutôt cool. Donc là, je la remets à 130. Elle va se relancer. Et j'ai quasiment plus rien à faire. Donc ça, c'est l'élément qui est assez sympa. C'est que là, tu vois, par exemple, il est positionné et il est fait normalement pour se maintenir au centre de la voie. Et si
j'ai le malheur d'essayer de franchir une voie sans mettre mon clignot, écoutez, tout de suite, il va biper pour me dire non. Et ça, c'est un truc qui m'énerve un petit peu sur cette nouvelle Yaris. Et de ce qu'on m'a dit, c'est propre à Toyota. C'est que la voiture, elle bipe tout le temps. Mais elle bipe pour tout et n'importe quoi. Tu mets la marche arrière, elle bipe. Quand tu sors de la voiture, mais que tu laisses le contact, elle bipe. Alors, pourquoi pas? Ça, c'est pas inintéressant. Parce qu'en plus, c'est une voiture hybride. Donc, des fois, tu peux penser avoir éteint ton moteur. Mais comme c'est, elle est sur le mode électrique, elle ne fait aucun son. Et tu sors et ça bipe. Mais ça bipe méga fort. Alors que des fois, la possibilité d'avoir une vibration juste dans le volant, si je commence à franchir légèrement la ligne, ce serait pas mal. Il me semble cependant qu'il est, il est possible de désactiver ces bips parce qu'ils sont très forts. Je ne sais pas si on peut changer le volume, je t'avoue que je ne vais pas regarder là, sachant que je conduis. Ce que j'ai constaté, c'est que regarde, vraiment, ils sont très forts. Bref, c'est des petits détails, mais tu seras quand même ravi de le savoir. Et surtout, je trouve que le maintien dans la voie est plutôt efficace. Alors attendez, je vais lâcher pour voir. Et tu vois, il fait des micro-corrections. Ouais, honnêtement, je reste au centre de la voie. Il fait pas de rebond. Je vois les petites micro-corrections. Par contre, il met du temps à me dire de reprendre le volant. Ah, tenir le volant. Voilà, tu vois. Ça, c'est cool parce que ça marche vraiment bien. Ici, on est sur une version. J'ai pas le détail exact de la finition dont je profite. Mais on n'est pas loin du full option. Je crois qu'il me manque juste le toit panoramique pour être sur du full option. Et c'est super bien équipé. Il y a tout ce qu'il faut. Tu seras quand même intéressé de savoir que l'audio est pas ouf. Je vois qu'on a un pack JBL. C'est pas fou. Il faut même aller checker un petit peu les réglages pour essayer d'optimiser un petit peu. C'est dommage qu'il n'y ait pas des profils déjà créés entre, tu sais, hip-hop, orchestre, etc. pour pouvoir essayer d'ajuster un peu en fonction de la musique que tu peux écouter. Mais c'est quand même une voiture qui est bluffante parce que là, attendez, je vais regarder en conso, je suis à combien? Là, pour le moment, je suis à 5,6 litres annoncé. Il me reste apparemment 285 km d'autonomie. Et en ville, les consos sont super basses. Et surtout, la voiture est ultra silencieuse. Quand on arrivera sur Annecy, on fera la partie ville. Là, c'est les premiers éléments que j'ai pu noter. D'ailleurs, un tout petit truc tout bête, c'est que dans le pare-soleil, il n'y a pas de... Tu sais, d'habitude, tu as une petite zone qui te permet de mettre un ticket de péage ou quoi. Il n'y en a pas. Ça, c'est dommage. Après, tu peux toujours le poser dans le rangement qui est sous l'écran. Mais c'est vrai que hier, j'ai pris le péage. J'ai tellement l'habitude de mettre mon ticket là que j'ai pas pu le faire. Et je me suis dit, tiens, c'est dommage qu'ils n'y aient pas pensé. Mais... on se sent bien dans cette voiture, c'est quand même bluffant. J'en ai marre de cet emplacement sans rembourrage, mais qu'est-ce que c'est bien fait quand même. Mes premières constatations sont quand même assez convaincues. Je m'y attendais pas. J'attendais pas grand-chose, j'ai fait l'essai parce que je trouvais la voiture vraiment stylée et qu'en plus j'avais normalement prévu d'essayer l'ancienne Yaris pour le côté hybride et ça s'était pas fait. Donc forcément, je venais essayer cette voiture. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que concrètement, la concurrence qui essaye de battre la Yaris, c'est toutes les on parle de citadines, mais c'est plus des citadines, la 208, la Renault Clio qui sont numéro 1 des ventes en France. On parle également de la Citroën C3 et j'en oublie une, je ne sais plus c'est laquelle, mais en gros, la Yaris est en dessous d'elle. De toutes celles que je viens de te citer, et clairement leur objectif dans le meilleur des cas, alors après ça va être difficile de les dépasser, elles sont tellement installées dans la tête des gens, dans la tête des entreprises, que ça va être compliqué, mais c'est de venir les titiller. Et sur le style, waouh, comment ils sont revenus très très fort. Autant la Yaris d'ancienne génération avait pas spécialement de caractère, était même plutôt passe-partout et assez invisible, sans personnalité, mais alors celle-là, waouh, dans la finition que j'ai là, ouh, que ça envoie du lourd. Mais en plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il propose une solution hybride qui est vraiment convaincante. Là où Peugeot, par exemple, prend le parti de dire « Nous, on va faire soit de l'électrique, soit du thermique. » Mais si tu veux une solution avec des consos basses et que tu es aussi intéressé par l'hybridation, bah, tu n'as pas cette possibilité chez Peugeot. Et chez Renault, tu l'as et j'ai pas encore testé la Clio E-Tech. Mais... moi, par exemple, l'hybridation, j'ai aucun problème avec ça. Surtout si ça me permet d'avoir des consos plus basses. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas brancher ma voiture. Je ne peux pas la brancher. Je n'ai pas la logistique pour brancher une voiture. Et bien là, tu n'as pas de questions à te poser. Tu as une batterie qui est insérée dans la voiture, qui fonctionne toute seule. Tu laisses la voiture faire en vrai. Tu laisses la voiture faire et bim,
elle va gérer de la manière la plus optimale qui soit l'utilisation de la batterie et du moteur thermique pour faire en sorte que tes consos soient les plus basses possibles. Tu vas pouvoir, si tu le souhaites, utiliser le moteur électrique complètement. D'ailleurs, maintenant, il peut rouler jusqu'à 130 km/h. Donc, attends, on va faire le test. Ah, il me dit mode EV indisponible. Peut-être que les circonstances ne lui vont pas. Mais en fait, c'est la solution parfaite en quelque sorte pour les personnes qui ne peuvent pas accéder à l'électrique, mais qui veulent une voiture un peu plus propre d'une certaine manière, parce que en ville, c'est extrêmement silencieux. C'est très agréable de rouler en full électrique. Tu es à 87 grammes de CO2 au kilomètre sur cette voiture. Donc, les journées pollution, etc., c'est pas un souci pour la Yaris. Et en plus, tu as technologiquement tout ce qu'il faut dans la voiture pour être à l'aise. Il y a CarPlay, il y a Android Auto si le système intégré dans la voiture ne te va pas. Que demande le peuple ? Parce qu'en plus, tu as le style. Honnêtement, que demande le peuple ? Et aussi, il faut que je te parle d'un petit truc intéressant. C'est qu'il y a plusieurs modes de conduite. Donc, il y a un mode éco qui va faire en sorte que la voiture soit à la console la plus basse possible. Il y a un mode power, je crois que c'est comme ça qu'il a... quand je l'active, il y a écrit PWR, donc je suppose que c'est power, et je vais peut-être le mettre, tiens, on va voir, ouais, c'est power. Et en fait, bon, forcément, là, je suis à 130, donc ça, il n'a plus grand-chose à donner. Mais ce qui est marrant avec ce mode, c'est que c'est pas forcément que la voiture est plus puissante, ou, mais en fait, tu as l'impression qu'elle motive plus rapidement les forces en présence, c'est-à-dire qu'elle va dire au moteur tout de suite, allez on envoie, et pareil au moteur électrique, allez on envoie la sauce. Donc quand tu l'utilises, c'est marrant parce que tu mets un tout petit peu de gaz et tout de suite tu sens que la voiture est en train de motiver les troupes et dit, allez, tout le monde se met en route, tout le monde se met en route, il faut y aller. Et c'est cool, je pense qu'il ne faut pas trop l'utiliser si tu veux rester sur des consos faibles, mais ça a le mérite d'être là. Et si on peut parler un petit peu de la puissance du véhicule, 116 chevaux. Ce qui est cool, c'est que tu as l'impression qu'ils sont là. C'est que tu as l'impression d'avoir un véhicule qui est à du répondant, en fait. Alors certes, c'est pas fait pour la conduite dynamique. C'est un élément qu'il faut prendre en compte. C'est clairement pas fait pour la conduite dynamique, même si la voiture est plus rigide que précédemment. C'est-à-dire que on sent que c'est un peu ferme. C'est même surprenant, j'en attendais pas autant. Mais ça reste agréable. Le truc, par contre, c'est que si tu commences à conduire de manière dynamique, les mouvements de caisse sont assez importants. Le pourquoi du comment, je ne sais pas, parce que ça crée une sorte de contradiction entre le ressenti au quotidien qu'on a avec l'amortissement qui est plutôt bien costaud, sans être tapu, pas du tout. Mais dès que tu commences à bouger un peu la caisse, tu sens que ça se balade quand même pas mal et que c'est clairement pas une caisse qui est pensée pour le dynamisme. Mais ça fonctionne. Et à partir du moment où ça fonctionne, moi, ça me va. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier, il y a un affichage tête haute qui est disponible sur la voiture. Et comment, c'est top. Le seul problème que j'ai, c'est qu'il est légèrement flou et j'ai cherché un peu. Il n'est pas possible de changer la netteté a priori. Par contre, les indications sont claires. J'ai mon kilométrage. Je crois que j'ai un compte tour. J'ai l'alimentation actuelle. Donc là, par exemple, c'est à 130. Il me dit également que le radar est prêt à être utilisé. Alors, je ne vais pas me déporter tout de suite. Mais du coup, ça veut dire que là, à ce moment-là, je peux profiter du radar adaptatif. Par exemple, là, on va se mettre à droite dans la file. Je vais activer le radar. Et là, tu vois, par contre, il ne va pas du tout aimer la situation. Quoique, au final, ça lui va parce qu'on était déjà à une vitesse qui lui va. On est à 130 et je suis à 92 km/h. Par contre, il est quand même en train d'essayer de prendre de la distance avec la voiture devant moi parce que, comme je te le dis, il est réglé pour intervenir très tôt. Et du coup, regarde la distance qu'il laisse devant moi. Ça, c'est embêtant. J'arrive pas à régler pour que ce soit plus court. Mais bref. Du coup, là, allez, remets-toi en route. Là, ils doivent être à 130. Là, il sait. Et non, il est toujours activé, mais il garde la distance, donc il ne veut pas remettre les gaz. Dès qu'il trouvera que la distance est suffisante, voilà, il estime que la distance. Tu vois, il y a 100 mètres. Et là, du coup, il décide qu'on peut rouler à la même vitesse que la voiture devant nous. Et ça marche bien. Là, pour le coup, alors, attends, je suis à 130. Je vais le monter un petit peu, tu vois. 135. Et il y va. Tu sens que le moteur du coup fait un peu plus de bruit. Et là tu vois, si je me mets derrière la voiture, hop, il va ralentir. Voilà, tout de suite. Parce qu'il estime que la distance c'est celle qu'il doit garder avec la voiture devant nous. J'aimerais bien que ça se raccourcisse. Mais cette voiture est vraiment bien pour les gens qui font principalement de la ville ou des trajets périurbains où tu roules à 90. C'est top. Franchement, c'est vraiment bien. Je pensais pas.
Et je crois que j'étais quasiment tout dit sur la partie autoroute. On reprendra la parole quand on sera en ville. Et aussi, il faut que je te montre les menus. Mais qu'est-ce qu'elle est bien, cette voiture, sérieux? Allez, relance les forces. Allez, on se met en route. Allez, 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 allez. Ah, là, ça... Ouh, c'est long. Ouh là là. Là, il n'était pas prêt. Tu vois, il aurait fallu que je mette le mode power. Je suis en mode éco. C'est pour ça qu'il galère un peu. Ah, tout de suite, tu enlèves le mode éco et tout de suite, déjà, la voiture se dit que c'est plus vif, on tente une accèle. Ok. J'ai oublié le clignot. C'est pas bien. Mais il n'y avait personne, t'inquiète pas, j'avais vérifié. Et là, je vais tenter avec le mode power. T'inquiète pas, laisse-moi toucher les lignes, mon ami. En tout cas, à partir de 110-120 km/h, les reprises, les accèles sont pas folichonnes en ressenti. Voilà ce que je peux te dire. On s'arrête là pour cette partie. Et on se revoit en ville. Ok, ok les amis, donc là on est en ville et c'est vraiment là où la voiture brille. Vraiment, c'est là où elle est sur son terrain de jeu. Parce que il n'y a plus de bruit et la conso est tellement basse. Alors là, par exemple, on est en moteur électrique et c'est le silence. Tellement facile. Tellement efficace. Alors, je sais pas si vous allez voir sur les caméras les affichages, mais grosso modo, tu as une sorte d'interface qui te permet de voir les consommations de la voiture. Donc, on peut voir que ma batterie est chargée à environ 80%. Ça, c'est la représentation du moteur thermique, la représentation du moteur électrique. Et en fait, en fonction de comment j'utilise la voiture, ça te dit si tu es sur le thermique, sur l'électrique, si ça renvoie de l'énergie à la voiture ou pas. D'ailleurs, il existe un mode break qui va beaucoup utiliser le frein régénératif. Donc par exemple, dès que je lâche la pédale, en réalité, il va... Qu'est-ce qu'ils me font? Vous pouvez voir que la circulation, c'est n'importe quoi. Les vélos sur le passage piéton pendant que madame est sur la passe cyclable. Enfin bref, on se gère. Mais du coup là, je suis en moteur électrique. Oh, ce silence, ça fait tellement du bien. Et ça, c'est ce qui est cool avec cette voiture, c'est que non seulement tu vas avoir les moteurs électriques, mais ton moteur thermique quand tu as besoin, mais tu as aussi les avantages de l'électrique. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu fais un départ arrêté, par exemple, d'un feu rouge, et ben, tu as la gouache d'un moteur électrique. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment le point qui fait plaisir parce que, du coup, la voiture est assez réactive quand il y a besoin. Et souvent, elle va mettre... elle va mobiliser directement les moteurs électriques avant le moteur thermique. Et juste derrière, le moteur thermique va se mettre en place, mais les transitions sont tellement fluides, il y a zéro à-coup. Il ne vient pas se réveiller comme un homme qui grogne, c'est juste super bien fait. Et du coup, ça fait que c'est très très agréable. Et surtout, il faut comprendre qu'avec la Yaris, tu as besoin de conduire différemment. Tu as besoin de faire en sorte d'être léger sur ta pédale, d'anticiper. Parce que là, par exemple, je suis sur le mode break, donc là, tu vois, je reste en détente. La voiture va se dire, bon, bah ok, je reste sur le mode électrique. Si je demande plus d'énergie, elle va tout de suite allumer le moteur thermique, mais de manière très naturelle. On va laisser passer cette chère dame. Allez-y, madame, je vous en prie. Et en fait, ça fait que c'est vraiment une voiture dans laquelle on est à l'aise et dans laquelle on a une conduite détendue parce qu'en plus, ça va favoriser la conso. Donc, après plus de 100 km sur autoroute, je suis à 5,6 litres en consommation. Je vais réinitialiser maintenant qu'on est en ville et ça me maintiendra un instantané. Ça va être très bas au départ parce qu'en plus, on est en full électrique. Il faut quand même que j'oublie pas où je dois aller. Ouais, c'est ça. Ok. Là, tu vois, le moteur thermique s'est mis en route. Tu sens que c'est un moteur essence qui a... un peu de coffre en termes de sonorité, mais dès que si tu roules tranquille, il fait pas trop de bruit et il intervient tellement doucement que c'est agréable de l'entendre. C'est un peu rauque comme sonorité, c'est sûr qu'il pourrait être plus insonorisé, ce serait pas mal, mais quitter le rond-point par la première sortie. Ça marche bien en fait, c'est super agréable à prendre en main. L'affichage tête haute, ça c'est vraiment le petit détail qui fait du bien sur la voiture. Et du coup, là on utilise le moteur thermique. Moteur électrique. Et en fait, ils annoncent jusqu'à 80% d'utilisation du moteur thermique en fonction des trajets que tu vas faire. Là, on recharge les batteries parce que j'ai lâché la pédale. Donc, j'ai le mode énergie régénérative qui se met en place. Et tu vois, si j'appuie un peu fort, tout de suite, le moteur apparaît, le moteur thermique est là. Je sais même pas comment ils arrivent à faire en sorte qu'ils se taisent et puis se relancent sans qu'il y ait une petite vibration qui apparaisse, quoi.
c'est tellement bien fait, ils maîtrisent tellement le sujet. Et en fait, sur cette nouvelle génération d'Yaris, ce qu'ils ont réussi à faire, en fait, c'est optimiser tout ce qui posait problème. La sonorité, l'utilisation du moteur électrique qui est plus fréquente, qui peut aller plus haut dans les tours parce que tu peux monter jusqu'à 130 km/h, travailler le comportement de la voiture, tout a été amélioré et ça fait une voiture qui est encore plus polyvalente qu'avant avec la maîtrise technologique de Toyota sur l'hybride. 4 litres 7 de moyenne affichée là. Et on peut descendre vraiment plus bas. On peut vraiment descendre. Faut que je sorte, mais du coup il fait le ah punaise, il va. Est-ce qu'ils vont être cool les gens? J'espère qu'ils vont être cool. Ils vont être cool. Ouais, ils sont cool. Merci beaucoup. Pardon. Et du coup, c'est vraiment top. Honnêtement, je suis grandement convaincu. Pour la personne qui a besoin d'une voiture polyvalente, faible en consommation, agréable, technologiquement au point, etc. La Yaris, nouvelle génération, a ce qu'il faut, avec le style, parce que autant je peux comprendre que quelqu'un soit très attiré par la 208 et du coup fasse le sacrifice financier pour l'avoir, à défaut de pouvoir avoir un moteur qui soit sobre ou électrifié, parce que pour X ou Y raison, il ne pourrait pas avoir un plug-in hybride qui n'est pas dispo sur une 208 ou... une voiture électrique full électrique avec la 208, avec la Yaris, j'arrive même plus à suivre. T'as le meilleur des deux mondes sans les contraintes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et en plus, comme t'as le frein régénératif, tu peux quasiment ne plus avoir besoin de frein, ou en tout cas très peu solliciter les freins de ta voiture. Donc en entretien, c'est que du bénéf. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis... Il y aurait quelques points d'optimisation. Hein. C'est sûr qu'à l'intérieur, on est moins confort que dans la Clio, par exemple. Avec la 208, ça peut être kiff-kiff. Après, le typage de la 208 est un peu plus soft, à mon sens. Mais ça marche, quoi. Ça marche même trop bien. Je suis vraiment surpris. J'en attendais pas grand-chose, comme je te l'ai dit au départ. Là, on est en full électrique. Regarde la vue, regarde le silence. Et là, on profite. Et la voiture fait zéro bruit. Il y a peut-être juste un peu trop de bruit d'air avec cette voiture, mais forcément, avec un style particulier, un travail de carrosserie spécifique et des gros rétros, tu peux pas faire de magie. Mais là, il y aura un petit travelling à faire de qualité. La vue est incroyable. Je ne sais pas si vous pouvez en profiter. J'espère que oui. Mais la vue, fou là là, attends. Ouais, honnêtement, on va cutter pour cette partie, petite partie ville. Mais c'est top. C'est top, c'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. Donc là, ce que tu vois, c'est l'écran de la voiture que j'ai derrière le volant, le petit écran de 4 pouces. Donc là, on est dans le mode un peu consommation avec notamment le petit affichage qui va te dire si tu profites bien des capacités économiques de la voiture ou pas. Ensuite, alors attends, il faut que je te montre aussi la consommation en temps réel. Donc là, on est à 3,1 litres, tu te rends compte, 3,1 litres, c'est ouf. Là, en plus, j'ai mis le mode régénération. On utilise pas mal d'électrique vu qu'on roule à des vitesses assez faibles, je suis à 46 km/h. Ensuite, si on descend, on a une sorte de boussole. Je peux également afficher des indications GPS ou les indications concernant le radar de la voiture. Là, ça va être la gestion de la musique. Là, c'est la consommation entre thermique et électrique et aussi quand la batterie est rechargée. Donc ça, c'est si tu veux le savoir. Tu vas avoir un mode sur la pression des pneus et... tout ce qui va être autonomie et temps de conduite. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. On descend et là ça va être toutes les aides de la voiture. Alors ce mode est un peu complexe parce que c'est cool parce que tu peux tout activer ou désactiver.
C'est juste que naviguer dans les interfaces est un peu étrange. Et surtout, c'est compliqué de savoir... Enfin, si tu es un néophyte, tu peux pas savoir ce que chaque icône représente. Et ça, c'est un peu complexe parce que là, tu vois, par exemple, c'est le franchissement de voie. Bon, ça, c'est clair. Mais imagine quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, va vraiment falloir qu'il prenne le temps de se former ou d'utiliser le grand écran. Parce que tu vois les noms PCS. Qu'est-ce que c'est que PCS? Je ne sais pas. BSM. Parking assist, bon ça c'est plus clair, tu vois. Et après, si tu veux en plus régler chaque option, faut que tu restes appuyé longtemps sur OK. Mais faut le savoir. Au début, je vous avoue que je comprenais pas. Ça te met OK plus réglage, mais en fait, pour que ce soit OK pour aller dans les réglages, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est rester appuyé sur OK. Donc ça, c'est des petits trucs d'interface de navigation qui pourraient être optimisés pour que ce soit plus lisible et plus compréhensible. Et ensuite, si on descend, on a pas de message, ça doit être lié aux informations concernant la voiture. Et on revient à notre mode éco. Et comme tu peux le voir, on est à 3,2 litres en consommation avec une voiture extrêmement silencieuse. Et franchement, c'est là où la voiture performe de ouf. C'est quand on l'utilise de manière vraiment tranquille. C'est une tuerie. Là, on utilise l'électrique comme tu peux le voir. C'est tellement efficace. Ah oui! J'ai failli oublier, c'est un truc qui est assez rare dans les essais, mais pour le coup, j'ai eu l'occasion de conduire de nuit avec la nouvelle Yaris. Et du coup, sur cette version, on a les feux full LED, l'éclairage est top, il s'adapte automatiquement, c'est-à-dire qu'elle m'a fait les transitions plein phare, feux de croisement quand c'était nécessaire et ça marchait plutôt bien, ça éclaire vraiment très bien. C'est un truc que généralement, on n'a pas l'occasion de tester, mais là, comme j'ai gardé la voiture une soirée, j'ai pu le faire. Donc super efficace. Le petit bémol que j'ai pu noter, qui n'est pas très grave mais un petit peu embêtant, c'est que quand vous freinez, la lumière, le frein, le troisième feu stop, on le voit dans le rétro. Ça te fait un petit appel de lumière rouge qui vient intervenir dans ton rétroviseur. C'est pas gravissime, mais c'est vrai que c'est quand même venu m'interpeller l'œil. Et du coup, si tu roules longtemps de nuit, ça peut être le petit détail un peu embêtant. Mais sinon, l'éclairage est super efficace pour les full LED. Il y a un petit peu de route dégagée devant nous. On va tester un peu la conduite dynamique. Je vais même me mettre en mode power, tiens. Allez, c'est parti. Ça marche bien, tu sens quand même que c'est pas du tout fait pour ça et que le moteur est pas pensé pour être sollicité dans cette configuration là, mais c'est quand même volontaire. Apparemment l'autre Yaris, c'était pas l'ancienne génération, c'était pas ouf. Là tu sens quand même que la voiture est plus volontaire, que le maintien de quai c'est pas si mauvais que ça. Alors après, c'était vraiment une petite courbe en appui, donc c'était pas la folie, mais je crois que c'est une génération qui est quand même bien configurée. La caisse se tasse un peu quand même. Ouh, je vais jumper. C'est pas fait pour ça. Mais tu peux quand même rouler fort. Ça fait pas trop de bruit, c'est pas agréable, mais ça a le mérite de fonctionner. Belle Mustang.